en érigeant la statue des soldats russes en pierre dans la capitale Bangui, le président Touadéra marque une nouvelle orientation dans sa stratégie contre l'impérialisme français en Centrafrique. Un impérialisme qui a brutalisé la mémoire historique de tout un peuple, humilié pendant des siècles par une France inhumaine et raciste. L'envoi des troupes russes en Centrafrique a été un camouflet pour Paris et une rupture des liens coloniaux qui liaient ce riche pays d'Afrique centrale à la dictature maçonnique française. Ce statut de l'amitié centrafrico-russe témoigne de la considération du président Vladimir Poutine pour les peuples d'Afrique, en soif de liberté et d'indépendance véritable. La Centrafrique est au cœur de l'actualité brûlante du continent africain. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette nouvelle étape de l'amitié entre la Centrafrique et la Russie. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site internet jemainformetv.com. L'information est gratuite. Nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous, peuple d'Afrique.